moi c'est Léa. Salut, moi c'est Tarek. Salut, moi c'est Pauline. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud. Moi c'est Elisa. Donc dans tes études, tu dois être super attentif à travailler régulièrement. C'est vraiment quelque chose de super important. Comme ça, tu ne te fais pas dépasser pendant le blocus. Pour les études, ce que je peux te conseiller, c'est d'imprimer tes cours en début de quadrille ou chaque fois que les slides sont disponibles. Comme ça, c'est plus facile de suivre. Tu peux fluorer, noter des choses, tourner les pages. Ça rend la matière plus vivante que juste être devant son ordinateur et lire les slides sur l'ordi. Alors, mon premier conseil, c'est d'aller en cours. Ça m'a permis d'assimiler énormément de matière, plus que si j'avais demandé les notes à un copain. Et alors, ça te permettra de profiter aussi de la vie à côté des études, puisque tout ça serait plus à faire. Donc, bien avoir tes notes à jour tout au long de l'année. Et alors, avant chaque blocus, bien préparer tes propres synthèses. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les plannings, les agendas. Donc, par rapport à tes études, bien noter les moments où tu as cours, les moments où de travail en autonomie que tu te prévois. Tu peux même aller à la bibliothèque ou au Léolab et à côté, te laisser du temps pour profiter. Nous sommes ici au Léolab. C'est vraiment un local qui est super parce que tu étudies avec d'autres étudiants dans le silence, il y a un respect qui est mutuel. Ici à Louvain-la-Neuve, il y a plein de chouettes trucs à faire, notamment aller au parc de Louvain-la-Neuve, aller au lac de Louvain-la-Neuve. Il y a SOS Sandwich aussi, c'est super sympa pour les temps de midi, donc n'hésite pas. Sur le campus, on a un parc dans lequel c'est très agréable de venir passer son temps de midi en été ou au début de l'année quand il fait encore chaud, c'est super chouette. Si tu cherches des endroits sympas pour boire un verre, on a plusieurs bars sur le site, c'est vraiment sympa pour se poser avec des copains. Et je t'invite justement à avoir une vie sociale bien remplie sur le campus, ça regorge de tout plein d'activités. Donc n'hésite pas à t'inscrire là-dedans, il y a des cercles, des cotes à projets. Et juste rencontrer des gens et profiter. Ne t'enferme surtout pas dans tes études. Voilà, t'es dans un campus qui va te plaire. Visite, rencontre des gens, c'est quelque chose de super important. Et ça va te permettre de t'épanouir dans tes études. Et ça, c'est le but. Et alors, mon petit conseil de future infirmière, si tu peux en même temps boire de l'alcool, boire de l'eau avec, tu te sentiras beaucoup mieux le lendemain pour aller en cours.